was natuurlijk schitterend. Belgisch kampioen dacht ik van in 83 in Rons was ik tweede achter Van Impen. En toen dacht ik, ja, dan word ik nog wel eens kampioen van België, maar dan het jaar nadien zie je hoe moeilijk dat is. En uiteindelijk kwam dat dan toch nog van. En die eerste toerrit, dat is natuurlijk, ik heb dat altijd hoger ingeschat dan Belgisch kampioen, omdat je daar tegen de beste van de wereld moet koersen. En dat was een eerste van een hele reeks ronde overwinningen, enfin, rit overwinningen in de Tour. Pour moi, c'était très intéressant d'avoir un coureur d'expérience. Parce que pour moi, Marc, c'était un gentleman. Il était vraiment en vélo. Il avait quelque chose, un charisme très important. Et quand j'ai engagé Wilfried Nelissen, je savais que Marc était un peu le confident, l'homme de confiance pour Nelissen. Donc j'ai automatiquement, j'ai dit à Wilfried Nelissen, tu signes chez nous, mais nous allons prendre Marc Sergent également, parce que pour moi, je dis, Marc, il incarnait quand même une valeur au niveau de la Belgique très importante, avec surtout son charisme. Merci Jean-Luc. Non, mais c'est la vérité. Ouais. C'est... Ah non, mais moi aussi. On a eu ce grave accident avec Nelissen, puis il est devenu un peu le capitaine de route vis-à-vis des jeunes coureurs, et je savais qu'il allait apporter son expérience, Zeynervaring, son expérience, auprès des jeunes. Pour moi, c'était très important, mais puis après, comme il l'a dit, c'était sa dernière année. Et là, il fallait penser à reconstruire l'équipe. Surtout, perdre, Marc était en fin de carrière, mais il fallait remplacer Wilfried Nelissen, qui avait vraiment sa carrière brisée. Et c'était pour moi, en tant que directeur sportif, pour moi, c'était un drame. On a vécu en direct sur Grand Evelgem parce que c'était un coureur avec beaucoup de qualité. Et là, quand j'ai vu les blessures, je savais que c'était fini avec sa carrière. Een ding is me altijd bijgebleven. Ik weet niet meer welke ronde dat was. Het was niet de Vierdaagse van Duinkerke, denk ik. Of toch? En dat was ineens, het begon te regenen, we waren regenvestjes gaan halen. En ineens scheurde het peloton. En ik denk dat er 100 man weg was. En er was niemand van ons mee. En hij was furieus. en na de koers was direct meeting. En hij zegt, het is schandalig wat er gebeurd is. En jullie moesten allemaal kijken in de spiegel. En, ja, het was allemaal niet goed. En we konden dat uiteraard begrijpen. En toen zei Nelissen droogweg, ik zal alle ritten winnen, is het goed Jean-Luc? En hij deed het ook, hè. Oui, c'est bon. Au départ, quand j'avais signé mon contrat en 88, mon contrat était bien spécifié qu'il fallait donner la chance aux coureurs belges et rester uniquement 100% belges. Mais nous étions en pleine évolution au niveau du cyclisme. Le cyclisme s'internationalisait. On allait dans de plus en plus de continents. Et la concurrence devenait de plus en plus rude aussi. Et on le voyait bien sur le Tour de France, dans les classiques. Et puis à un certain moment, j'ai su convaincre les patrons de l'époque, M. Anciot, M. Van Varenberg, qu'il fallait investir sur des coureurs étrangers si on voulait encore que l'image de la loterie, l'image du loto, qu'on soit présent aux avant-postes. Et puis c'est vrai qu'avec la venue d'André Schmil, c'était le premier coureur étranger qui nous a vraiment donné une première grande victoire avec Paris-Roubaix en 1994. Je pense que c'est op de dag van vandaag een must is. We hebben ook contractueel nog altijd de afspraak dat er een overgrote meerderheid Belgen moet zijn. Maar ik denk dat het een toegevoegde waarde is, ook voor een Belgische ploeg, om er een aantal goede buitenlanders bij te hebben. Dans les années 90, on a vu des nouvelles épreuves en Australie, des nouvelles épreuves se créer, beaucoup plus tôt dans la saison. Et au début des stages que j'organisais à Combloux, j'imposais encore le ski de fond à mes coureurs.
Mais à certains moments, je voyais que après 3-4 années, les coureurs sont venus me voir en me disant « Jean-Luc, nous on ne veut plus faire du ski de fond, on préfère faire peut-être du VTT. » Et parce que l'échéance, les objectifs étaient beaucoup plus tôt déjà dans l'année. Mais Combloux, c'était fort important pour l'ambiance, pour créer une atmosphère et un esprit d'équipe. Ja, ik denk toen Jean-Luc de ploeg runde, was het budget heel miniem, denk ik. Hij kon zich geen Grijpel of Galopin of wie moet ik nog noemen, permitteren. Dus ik denk dat de beste ploeg nu deze moet zijn, als je ook de resultaten ziet. Maar chapeau, toen met Schmil is het ook wel gelukt, want hij heeft ook wel Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, maar nog. Een paar andere gewonnen ook. Hè. Dus, qui est la meilleure équipe, ça ne veut rien dire. Bon, maintenant, moi, à mon époque, j'étais directeur sportif pendant 12 ans. Bon, je suis arrivé à avoir des résultats en fonction des moyens qu'on m'a donnés. Schmid nous a offert des grands succès. Musseux a gagné ses deux seules étapes dans le Tour de France. Il les a gagnées sous le maillot Lotto. On a eu Criquelion, on a eu Brunel, on a eu pratiquement eu tous les grands coureurs belges dans l'équipe. Et déjà, je dois remercier les patrons de l'époque qui ont toujours fait un effort pour me soutenir. Mais je dis maintenant, le cyclisme d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec mon époque. Quand je vois la qualité aussi d'un coureur comme Greipel, avoir la chance d'avoir un coureur comme ça au sein de son équipe, parce qu'il renvoie vraiment bien l'ascenseur vis-à-vis de ses équipiers et tout, c'est vraiment un grand monsieur, et là j'espère que pour Marc, il peut le garder longtemps encore, parce que derrière il y a beaucoup des jeunes coureurs en devenir, comme Tim Wellens, Tijs Benoot, tout ça, donc il y a vraiment un bel avenir pour la Loterie Nationale. Okay. Daar ben ik ook wel fier op, dat heb ik daarnet niet gezegd, maar wij zijn, enfin, je hebt ploegen die zeggen, wij willen dieren en dieren en dieren. Wij hebben toch een hele piramide waarin we de jeugd kansen geven. En die groeien door tot in de wereld, tot ploeg. En zoals Jean-Luc net zegt, de Welles komt, is een puur product uit onze jeugd. Benoot ook. En die mannen staan er ook ineens. En dat is wel iets waar we fier mogen op zijn. Ik denk dat ze zeker beiden een heel goede renner zijn. Ze nu al. Gaan ze zeker blijven bevestigen. Welles heeft een beetje een tegenvallende tour gehad. Hij had er zich heel veel van voorgesteld. Maar ik denk dat het een zware, maar een goede les geweest is voor hem ook. Van aan de top koersen is leuk en plezant. Als je niet top bent en je moet door een tour je worstelen, dan wordt alles op de proef gesteld, van het hoofd tot de teen. En dat heeft hij nu ook eens meegemaakt. En ik schat zijn overwinning in de Eneco Tour dit jaar veel hoger in dan die vorig jaar. Tim Wellens, Tijs Benoot, ce sont des coureurs très très jeunes et qui confirment. Donc ça veut dire que pour la Loterie Nationale, là ils ont vraiment un avenir avec ces coureurs-là. À côté de coureurs d'expérience comme Montfort, comme Greipel. Et là je pense qu'on est vraiment dans la continuité de la politique de la Loterie Nationale d'essayer de promouvoir le cyclisme des jeunes talents belges. Ça c'est très important. Aujourd'hui, mais ça c'est donc le casque et les lunettes. Le casque c'est très important pour la sécurité des coureurs. Bon, maintenant l'actualité avec Chris Boekman, c'est le cas. Mais les lunettes, on ne reconnaît plus les coureurs. Et je pense que quand ils viennent à une interview, quand ils viennent signer la feuille de contrôle, demander aux coureurs de venir signer sans le casque et sans les lunettes. Pour leur image, c'est très important. Et je trouve aujourd'hui, bon, peut-être qu'il y a certains coureurs qui ont un petit contrat à gauche à droite avec des films de lunettes, mais quelle perte en termes d'image. Et ça, c'est un conseil. Allez, Marc, tu dois le savoir. Ce n'est pas, la première fois que j'ai entendu. Ils demandent même bien en avance, viens pour signer au moins une demi-heure avant la course. Mmh. Partent. Donc les gens sont là pour les zéros, donc ils ont le droit de le voir. Mmh.